Alors, on va nous lever debout pour avoir une réflexion. Merci de vous asseoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du 19 décembre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'ensemble du public. Point numéro 4, période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption du budget de la ville de Donnacona pour l'année 2023. 5.2, adoption du budget triennal d'immobilisation pour l'année 2023, 2024 et 2025. Ça, il n'y a pas d'autre point pour aller à la levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, pose un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposant. Je propose. Numéro 4, première période de questions. Si nous avons reçu des questions. Donc, on n'a pas en date de 15 heures aujourd'hui. On n'a pas reçu de questions des citoyens par courriel. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, adoption du budget de la ville de Donnacona pour l'année 2023. Alors, considérant selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent. Concernant que le budget de la ville a été présenté lors de la séance ordinaire le 12 décembre dernier. Alors, la résolution est que le conseil municipal adopte le budget pour l'année 2023 de la ville de Donnacona, qui prévoit des dépenses de 14 578 132 et un revenu équivalent. Alors, on va faire un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.2, adoption du budget triennal des immobilisations pour les années 23, 24 et 25. Alors, considérant selon l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. Considérant que le programme triennal des immobilisations de la ville pour les années 2023, 2024 et 2025 ont été présentés lors de la séance ordinaire du conseil du 12 décembre dernier. Alors, la résolution est que le conseil municipal adopte le budget triennal des dépenses en immobilisation pour les années 23, 24 et 25, tel que déposé. C'est un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Numéro 14, levée de la séance. Donc, c'est un proposant de levée de la séance. Je propose. Merci. Alors, ceci confirme. Extraordinaire du 19 décembre.